Eh bien, salut tout le monde, c'est Mr. White, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Battlefield 5. Donc aujourd'hui c'est une vidéo à prendre avec des pincettes, tout simplement parce que c'est des informations qui viennent de data miners que j'ai pu trouver sur Reddit. C'est des data miners donc ils trouvent en fait, et ils cherchent surtout dans les codes sources de Battlefield 5 pour voir les prochaines mises à jour. Et du coup, ils nous ont trouvé des informations, ils nous ont trouvé du lourd sur Battlefield 5. On sait que Battlefield 5 s'épuise un petit peu, il y a de moins en moins de joueurs, et on espère vraiment que ça va être le petit coup qui va lui redonner vraiment du cœur, on va dire, à ce jeu qui plaît à une grosse communauté quand même, parce que là il y a du lourd qui arrive les gars avec trois nouvelles maps et on attaque directement avec le Pacifique. Donc beaucoup de personnes l'attendent ça, le Pacifique, et donc là les data miners ils nous ont trouvé trois nouvelles maps qui sont le code source du jeu. On commence directement par l'emblématique, hein, la plus grosse, celle que tout le monde va connaître. Excusez mon accent, je parle bien sûr de Wake Island. C'est tout simplement l'île qui a été attaquée en même temps que Pearl Harbor en 1941. Donc c'est vraiment, historiquement, c'est quelque chose, hein. C'est pas une île au pif, hein. Ils ont vraiment pris quelque chose qui, historiquement, va être bien, qui va nous rappeler et nous donner de bonnes sensations, je pense, pour Battlefield 5. À voir ce qu'ils vont en faire, mais à mon avis ça peut être du coup très très lourd. Ensuite ils nous ont trouvé deux autres maps. Donc j'ai Jungle, donc une map de jungle, ça peut être une petite map. Et donc la troisième map c'est du coup Tropic Island. Donc je pense que ça va être une sorte d'archipel qui vont se relier l'une entre elles. À voir ce que ça va donner, on n'a pas plus d'informations que ça, mais c'est déjà ces trois maps sont déjà, je pense, quelque chose de positif pour le jeu, ça va lui redonner un petit coup de punch. Voilà, parce qu'il commence vraiment à s'essouffler. Et c'est pas, il n'y a pas que ça, ça s'arrête pas ça. Ils nous ont trouvé encore de belles choses, ces data miners. Et oui, ils nous ont trouvé encore de très belles choses, puisque là, on a tout un arsenal qui va bientôt apparaître. Donc voilà, tout ce que je dis là au niveau des informations, ça devrait apparaître d'ici la fin de l'année. Donc on a encore quelques mois pour les trois maps et l'arsenal que je vais vous présenter. Mais on sait que c'est dans quelques mois, donc ça va être pour décembre, ça va être le petit cadeau de Noël, ça va faire très plaisir je pense pour le jeu. Donc je commence hein, avec, je vais vous énumérer du coup toutes les armes qu'ils nous ont trouvées dans le code source du jeu. Donc on commence avec l'emblématique fusil semi-automatique M1 Garand. Je l'attendais sur le jeu, le voici enfin, au bout d'un an, mais le voici enfin, donc tant mieux. Après on a le fusil japonais Arisaka type 99. Ça va être un fusil coup par coup. À voir ce que ça va donner. J'ai pas plus d'informations que ça. J'ai après le pistolet Nambu, je sais pas trop, type 94. Une arme de poing. Et maintenant, j'ai le fusil mitrailleur Browning barre M19-18. Alors celui-ci aussi, je l'attendais depuis le début du jeu. Une arme emblématique, hein. Celle-ci, il la fallait dans un jeu comme Battlefield 5, surtout sur la Seconde Guerre mondiale. Il la fallait. Je pense qu'elle va, elle va faire plaisir à beaucoup de joueurs, dont moi. Ensuite, j'ai le pistolet mitrailleur Nambu type 2A. Donc, une arme japonaise. Voilà, un fusil mitrailleur, on verra ce que ça va donner. Ça a l'air d'être quelque chose à petit calibre, mais grosse cadence. Ensuite, j'ai un sniper. Alors là j'ai trouvé des photos, des images, tout ce que j'ai trouvé c'est un snipe, c'est un fusil avec une lunette immense. Vous le voyez au niveau des photos, hein, ce snipe ne ressemble à rien de ce qu'on connaît sur le jeu pour l'instant. Ça peut être un très bon snipe, je ne dis rien pour l'instant. Ensuite j'ai le fusil mitrailleur type 97 MG. Donc un nouveau fusil mitrailleur. Donc c'est un fusil mitrailleur de gros calibre. Il était même équipé à bord des tanks et blindés japonais. Donc gros calibre. Après le chargeur a l'air d'être assez petit. Donc je pense, voilà, ça va peut-être pouvoir s'équilibrer. Ensuite j'ai, celle-ci aussi on l'attendait, hein. Je vais pas vous la cacher plus longtemps. M3 Grisgun. On ne la présente plus cette arme. Une autre aussi, qui est clairement aussi une arme très attendue. Pour ma part, après je pense pas pour tout le monde, c'est encore un fusil mitrailleur. Je parle bien sûr de la Browning M1919A6, mitrailleuse légère de l'armée américaine. Et du coup, le dernier, dernière arme à feu
du coup que ces data miners nous ont trouvé sur le code source du jeu. Donc ça sera la type 100 japonais. Celle-ci aussi, arme connue. Donc pistolet mitrailleur. On va voir aussi ce que ça donne. Et du coup, dernière arme qu'ils nous ont trouvé sur le code source, dans le code source, pardon, c'est une arme de corps à corps. Et donc celle-là, elle va faire plaisir aussi. C'est un katana. Fallait s'y attendre. Les Japonais arrivent. Donc forcément, arme de corps à corps, le katana. Voilà, c'est tout ce qu'ils nous ont trouvé dans les codes sources du jeu. C'est déjà quelque chose, je pense, d'énorme, hein. L'arsenal et les trois nouvelles maps, ça va être quelque chose de très lourd. Je pense que Battlefield, d'ici les prochaines semaines, va énormément évoluer. Donc prochaine semaine, prochain mois, hein. Mais normalement, ça devrait apparaître d'ici la fin de l'année, si je ne m'abuse, au niveau des informations qu'ils ont pu nous avoir. Donc le chapitre 5, hein, tout simplement. Voilà, on attend tous beaucoup, je pense, de cette fin d'année, surtout après voilà les débuts un petit peu chaotiques de Battlefield 5. Mais on verra, on va voir la suite. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à me dire en commentaire vous quelle arme vous allez tout simplement attendre le plus. Moi personnellement, vous m'avez compris, M1 Garand, Browning et Grease Gun. Voilà, c'est les trois armes hein, que j'attends énormément. Je ne fais que de le redire. Mais je ne le dirai jamais assez. Sur ce, je vous dis à plus tard.